Hola YouTube, c'est OK88, comment est-ce que ça? Perso, bon, tout ça va. Hein. Nous voici aujourd'hui sur l'épisode 14. 15. Non 14, il me semble, de Core Keeper. Sinon, bienvenue sur ma chaîne, hein, installe-toi. Et profite de mon gameplay divin. Non, je déconne. Hein. on est parti donc. Avec notre perso. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve le boss là, le Kaleo, si je sais pas pourquoi. Le Macam est de travers, j'ai l'impression. Voilà. On était ici, hein, on était en train d'avancer tranquille. Bon, je vais me faire mêler dès que je vais rentrer là-dedans, mais bon. Coucou les pavots. C'est vrai que la hache que j'ai, elle est vraiment efficace. Hein. Franchement, je suis pas mécontent de l'avoir trouvé celle-là. Ah. Encore un coin de rail. Y a-t-il des trucs intéressants là-dedans? Non. Ah, du minerai. Très bien que je profite des rails là, moi. Après tout, je suis pas tellement loin de... Ouais, mon trou, il est là-haut, et puis les rails sont là. Ok. Bon, on va profiter des rails là, ça nous fera un peu moins... Un peu moins de dépenser nos miennes. Oui, je sais, c'est pas français. C'est parce que j'ai pas trouvé le mot. Les miennes. Oh. Voilà. En fait, bah c'est bien, ça me fait un petit raccourci là. Bon, celle-là pour le moment, on va les enlever. Voilà.
C'est totalement du hasard, hein. Je ne sais pas où chercher hein, pour les nouveaux. Hein. Ce que je sais, c'est que c'est vers le sud-est, mais bon, je suis sûr que je suis encore en train de me planter de route, moi. Alors, bon, la partie dry là, on va la garder. C'est plutôt à la pioche, elle va plus vite. Voilà. 23 de nourriture. Ah, ça m'a fait ennui de manger ça à 5-4 de vitalité.
C'est pas ça, là. Je suis en train de cramer. Alors, je vais boire un lait. Ça, ça me donnera de l'armure. Là. Et maintenant on fonce dans le tas tant qu'on a de la résistance. Don't give a fuck if I cut my own bleeding.
Les plus dangereux, c'est les grands, les gros balèzes là, et puis les cracheurs de feu là. C'est les plus grands dangers ceux-là. Voilà, on a presque nettoyé. Voilà. Je pense qu'on a nettoyé tout ça. Ah. Bon, je ne sais pas trop. On pas trop s'inquiéter sur eux. Mais tais-toi! Oh. Lambière de pierre, est-ce que je les ai? Carnage caverneux. Je leur laisse quand même la fleur. Ah, j'ai plus de trucs brillants, ça. Non, j'ai plus de flancs brillants. Ah, dommage. C'est vrai que c'est quand même bien utile, hein, les flancs brillants, là. Voilà. Top caverneuse, ouais, bon. Ça, je m'en fous. Le siège, hein. J'en enlève 3. Oui, bah, hein, on est dans une grotte, hein, pas de chichi, hein. Thank you.
Oui, excuse-moi, déconcentré, j'étais à fond dans mon bordel là. Oui, donc, toujours on voit mort, hein, y a toujours rien là. Je vais suivre la trace là, peut-être que ça va me mener à quelque part. Plus vers l'est, hein, vers l'ouest, je veux dire. Ah, mais bon, à chaque fois, il n'y a rien à faire d'intéressant, quoi. Juste chercher. Il n'y a rien de plaisant pour vous, quoi. Combat 152 184 ah, 174 212 la mienne est meilleure. Thank you.
d'accord, mais on va ici. Ok, bon. Je vais mettre la pause, le temps d'aller... Ah, ouais. Le temps de... Bah, déjà, on va repartir à la maison pour se vider les poches. Et... On verra bien, quoi. Bon, d'abord, qu'on reste ensemble le temps de voir le résultat de capture. Enfin, de capture, n'importe quoi, d'exploration. Alors, déjà, il y a des trucs à faire fondre. Non, l'or, c'est ici. Hop. Le fer blanc. Le fer. Et j'ai jeté le cuivre, c'est vrai. Et le fer, voilà. Ensuite, la jambière de pierre, est-ce qu'on l'a? Oui. Ça, ça se vend pas. Deux clés en fer? Cool. Ça, je les avais pas vu par contre. Utilité secondaire coup angle. Ah. Ah, peut-être qu'on la garde. Enfin, là, on va la tester. Hop. Éclats de crâne en cristal. Bah oui, mais comment qu'on les fabrique? Ouais, j'en ai là, mais on les fabrique comment? On les fusionne-nous? Un éclat de cristal ancien qui n'est qu'une fraction de quelque chose de plus grand. Qu'on utilise, combine les matériaux. Je sais pas comment les utiliser ça. Si vous savez dans les commentaires, ça m'intéresserait. Ouais, s'il y a du commentaire sur le jeu. Ok. On va ouvrir deux coffres. C'est bon, j'ai deux clés. Alors, le premier et le second. Voilà. Alors, le premier, il y a quoi? Un anneau de roche, ça dégage. Une barre de fer blanc, ça, la fibre, ça dégage. Une barre de fer blanc, d'accord. Il n'y a que de la double dans celui-là. Ici, une pierre de vipère. Une pierre lissée est trouée, on dit qu'elle repousse les mauvais esprits, ok. Une précieuse, un objet, un joli objet de décoration hein, sans aucune craquelure et qui ne s'est pas décoloré. Mais dont le contenu original a disparu depuis longtemps. Ok. Bouteille de flagrance bleue, elle est étroitement scellée mais dégage un arôme divin. Barre de fer, jambière de pierre. Ok, c'était celui-là le plus intéressant. Alors, attends, je sais jamais c'est lesquels. Les jambières de pierre, je l'ai. Ça se dégage. Objet de valeur. Urne précieuse. Parfum. Jambière. Voilà. Fibre. Colonne de pierre crossée. D'eau.
Okay, bon, ça n'a rien rapporté. À 64, le coffre va durer. Nickel. Alors, on va ranger le miam. Hop, hop, voilà. Les trucs précieux, bon, on va les mettre là-dedans. Hop, voilà. Bon, l'âge de combat, je l'ai gardé juste pour le test. Hein. Ah, c'est pas là qu'il va aller. Le coffre en fer, il va où? Ah, il va là. Bon, on fait une petite nouvelle pièce. Ça comme sol parce que là c'est moche. Café, il est froid, mais tant pis. Ça fait trop plaisir de reboire du café aujourd'hui. Ah, allez, avec les travaux, là, j'ai plus d'eau la journée. Nickel. Alors, il me faut du mur à peindre et du sol. Dalle de pierre, non, c'est pas dans celui-là, c'est pas là. Ah, mur à peindre, j'en ai 8, 10, 13. Voilà, dalle, on s'en fout, et pas demi-dalle, mur de botte de paille. Ouais, ah. Bon, on a fait. Il est où mon établi de...
Il n'y avait pas un établi pour faire des meubles. Ah si, de là. Ah oui, d'accord, il y a des meubles, mais il n'y a pas de, de murs. Ok. Il me faut du sol. Du sol sympa. Oh tiens, on va mettre du sol rose. Du sol de corail. Au moins que j'en trouve un plus sympa. Non, j'en ai pas d'autres. Ok. Bah. Ah bah oui, je suis bête. Je peux pas rentrer dans la pièce s'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas de sol. Voilà, on a une salle de bain. Ça sert foutrement à rien. non, ça je garde. Oui, j'ai deux murs de briques. Bon, tant pis.
Voilà, on garde les feux lapins, là je sais pas pourquoi, les dalles. On range les blocs roses là. Il faudrait que j'en plante des blocs roses. Oui, on peut les planter. Je me suis fait avoir quand j'ai planté des trucs dans mon jardinage. Je me suis retrouvé avec des racines. Ah, j'aurais dû en garder encore deux. Oh, c'est pas grave. On range le pinceau. On va récupérer nos trucs qui ont cuit. Là, on les range. Voilà. Halte combat. Ouais, mais il y en a une demi-heure. 74, 212, 152, 184. Ah bah c'est celle que j'ai. Ah ok, c'est pour ça qu'elle est mieux la mienne, elle a été je l'ai renforcée. Eh oui, c'est vrai, je l'ai renforcée la mienne. On voit le petit décoloré rose au-dessus, enfin en dessous. Je me disais bien qu'elle me disait quelque chose cette hache. Bah oui, j'ai la même. Enfin non, pas la même, elle est bien mieux la mienne. Un peu de graille. Il faudrait du flan, prendre du flan bleu. 4 minutes plus 4 de lueur. Ok. C'est du éclatant qu'il faut. J'en ai qu'une. Il me faut un peu de bonne graille. J'en prends beaucoup, mais bon, je l'utilise assez vite, donc... Voilà. Alors, on va repartir... Ah oui. Bah attends, c'est bizarre, il me manque un kart. Bah oui, je l'ai laissé à Perpète la galette, le machin. C'est pas le bon chemin. C'est celui-là le bon. Voilà. Ah d'accord, ils naissent là les trucs. Bon bah non. Non, c'est des trucs de machin bleu là qui les font sortir. Maintenant, on va falloir retrouver le chemin que j'ai pris juste pour arriver ici. Hein. Bon, j'ai juste à suivre les cailloux cassés. Bon, je récupère tout en même temps.
ça c'est des trucs intéressants. Pioche qui ne sert à rien, la viande. Je vais venir toi avec tes yeux rouges. Ah bah je vais trouver mes rails facilement. Wow. Je les entends mourir alors que je suis dans mon inventaire. Merci mon petit fox. Bah c'est mieux d'avoir le fox quand je fais de l'exploration comme ça. Au moins il peut protéger mes arrières comme mon inventaire se remplit vachement vite. Pour le moment, comme c'est juste ça sert à rien, c'est trop lent. Bah, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. À tout de suite, petit upgrade. Je suis arrivé, comme vous le voyez, au désert des origines. On va se reprendre tranquille un peu ensemble. Bon, on va pas spécialement explorer, je vais vous montrer le chemin que j'ai fait. Je suis tombé sur plusieurs nids de... Comment ça s'appelle là, les machins là, les gros balèzes et tout ça. Donc j'ai fait le ménage, j'ai encore l'inventaire qui est full, d'hab. Maintenant il faut se retrouver notre chemin. Voilà, bon là-haut j'ai des rails on dirait. Donc on va couper court là-haut, droit devant, comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé aussi dans les coins là, là un déni que j'ai trouvé, et un truc d'or à quelque part. Il faudra que je pense à mettre un
un machin pour biduler le truc là, une foreuse. Voilà. Je donne à nouveau un bonbon. J'en ai récupéré 2 bleus et 5 classiques. Hop, voilà. Bon, je les ai donnés au fur et à mesure. Hein. J'ai trouvé un truc. C'est quoi ça? Un mortier portatif, oui, bon, j'en ai déjà un. Un œuf de Goupilou, bon, j'en ai pas besoin. J'ai trouvé cette hache que j'ai été renforcée tout à l'heure. Elle est plus efficace que la mienne. Puis voilà quoi. Je vais faire le chemin jusqu'à mes rails. Ensuite, je repars à la maison pour fabriquer 2 perceuses. Et je reprends juste après. On est à tout de suite. Alors, voilà. Je suis revenu à la base. Hein, j'ai encore du bois sur moi. j'ai fait ce qu'il me fallait. Donc, le moteur, la lampe, la foreuse. J'ai fait en 2 fois parce qu'il y a 2 trucs à marquer. J'ai posé les coffres que j'ai récupérés au fur et à mesure et que j'ai ouverts et j'attendais pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, le premier. Anneau de garde forestier. Ok, pièce de rechange, urne précieuse, du fer, du parfum. Ok. Et le deuxième. Bâton boule de feu, urne précieuse, pièce de rechange. Voilà. Quand même super intéressant. Bon, il y a quand même 2 trucs que je peux revendre. Viens ici, toi. Urne. Parfum. Au sujet, j'ai récupéré la sacoche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ah, bah oui, c'est vrai, j'ai. C'est tout? Ah non, il y a le bâton là. Anneau de garde forestier. Mince, j'ai oublié de vendre. Anneau du garde forestier, je l'ai déjà. Qu'est-ce que ça me donne déjà? 8-4 de dégâts, 5-3 de dégâts causés par l'animal. Ok, donc on peut leur vendre, c'est bon. Le bâton, on peut. Bon, j'ai un truc plus puissant. Voilà. À cuire, pièce de rechange, ça va là. La décoration, elle va là-dedans. Les pièces dans le coffre précieux. Voilà. Bon, il me reste un coffre à ouvrir. Allez, on va l'ouvrir, on va se fabriquer une clé. Bon, j'espère que ça vaut le coup ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, il faut 7 barres de fer. Bon, je commence à plus trop m'inquiéter avec les barres de fer. Hein. Maintenant, il y en a la masse. Hein. À force d'en ramasser. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, 2 idoles, la fibre, du fer blanc, un anneau en cristal d'or. Ah, ça c'est utile. Mince. Enfin non, c'est pas utile. C'est 17,3 de dégâts à distance. Un précieux anneau sorti de pierres précieuses anciennes. Ok, donc 17,3 de dégâts à distance. 21 de vitalité max, ouais, l'anneau là. 13% d'armure. Ouais, bon, on va le remplacer. Je perds un peu d'armure, mais bon. Je vais garder le collier en armure. Attendez, est-ce que j'ai des armes à virer? Ça, on peut le virer.
134, 162. Bon, ça on le garde. La lance, on la vire. L'anneau de larve, il me semble que je l'ai sur moi. Oui, anneau de larve. Ok, donc on peut l'enlever. Collier en œuf d'asticot. Oh, c'est dégueulasse. C'est quoi qui donne comme truc? 18-1 de dégâts de corps à corps. 22 de vitalité, 13 d'armure. Collier de croc, bon, on va l'enlever. Autant s'équiper en asticot, hein, tant qu'à faire. Ah mince, ah bah je l'avais déjà. D'accord. Ok, je l'ai déjà. Ah oui, je me suis refait un bouclier. Voilà, j'ai fait le bouclier en fer. Vous savez, je l'avais pas fait il y a quelques vidéos parce que j'avais pas le fer. Et puis là, je l'ai fait. Simplement. Donc, collier d'asticot. J'ai le plastron de larve. Collier en œuf d'asticot, je l'ai. Bâton boule de feu. Bon, celui-là, je le garde parce que ça remplace mon mousquet. Asticot Zuka, 104, 120. Bon, celui-là, il est moins efficace. Celui-là, niveau de l'objet, 8. Et celui-là, niveau de l'objet, 9. Il est moins puissant. On va le virer. Donc en asticot il me reste quoi? Bah rien. Collier en œuf d'asticot. Anneau de larme. Ah! Collier de croc, voilà. Je m'étais trompé. Il ne ressemble à rien, moi. Bon, pour le moment, le caverneux, c'est pas l'idéal comme ensemble. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Voilà, on va vendre les trucs. Les coffres, on va les ranger. Ça, on va ranger. Ça, on va ranger. Alors, les coffres, ils vont ici. Là. Atelier de peinture et cabine de musique. C'est un petit moment, là, quoi que ça sert, l'atelier de musique. Franchement, pour moi, ça sert à rien ici dans ce jeu. Non, ça va pas là. C'est les pièces qu'il faut ranger. Ok, le fer. Ah, celui-là il est cuit. Voilà, nickel. Bon, on va retourner. Aux deux endroits que j'ai du wagon, du truc à mettre. Par contre, le désert des origines, là, je vais pas. Le désert, là, je pourrais pas creuser. J'ai essayé, il me faut un meilleur outil. J'ai essayé la pioche, le marteau, ça donnait rien. Qui ne casse pas les rails hein, en tapant. Hein. Ouais, j'ai continué le chemin ici, il me semble.
dois aller, moi. Ah oui, ici c'est pour l'or. Allez hop. Foreuse. Batterie. Et l'encre. Et un barbeau qui part en dégâts. Voilà, donc le premier, et le deuxième, il est dans le désert. Voilà, j'ai fait tout droit. Comme je vous avais dit, hop là, il manque un peu de lumière ici. Voilà. Je suis pas spécialement parti explorer. Bon, cela par contre, si, c'est comme ça que j'ai trouvé l'espèce de lac là. Je sais pas ce qu'il peut avoir là-dedans, hein. Ça me paraît... C'est une grande place, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez, c'est une grande place, il n'y a pas un caillou, rien du tout, je ne sais pas c'est quoi de ce truc. Comme truc ici. Contour là, on dirait. On va voir, je vais passer au travers. Il n'y a vraiment rien ici. De nouveau bois. Un morceau de résine séante qui sert à créer des choses. Oh, ça c'est nouveau par contre. Oh, c'est nouveau le coin là. Ça sera l'exploration du prochain épisode.
après. C'est inquiétant, c'est assez lugubre hein, comme, comme lieu. Hein. J'ai encore pas mal de rails là à mettre. Ouais. Bon, on est à 1h08, mais c'est pas trop grave. Je vous reprends juste après. Là, je vais repartir à la base. Bah, faire des rails. On continuera là et puis on finira sur ça. Parce que j'ai plus que deux rails là. Bon, le truc des trucs, oui. Le machin des racines géantes là, c'est... je sais pas pourquoi, mais... ça me dit peut-être bonne impression. Parce que c'est un nouveau lieu, étant donné que j'ai des racines géantes. Alors que d'habitude, je connais pas ça. On monte tranquille ensemble, hein. Hein, comme d'hab, hein. Il y a du chemin. Ça, ça doit être un vrai gruyère, ma map. Nickel, là la maison. Alors, bon, il y a quelques trucs à faire cuire. Un ou deux trucs à vendre. Un truc, deux trucs. Les graines, ça. Nickel. Les coco carottes là, je sais pas trop quoi là. La viande. Les rails et on y go. Alors c'est quoi déjà, c'est deux bois un cuivre. Par contre c'est vrai qu'il me faudrait quand même encore du cuivre hein. Là, je commence à être un peu en cours, hein, à court. Ouais, moi, 62 cuivres. Hein.
Bien. Bon, on se rejoint juste après. À tout de suite. Voilà, ben voilà. Bon alors, je viens de prendre un peu de bois, mais j'ai vu que c'était du bois classique. C'est exactement la même chose que mon bois que je fais pousser. Bon, on ira l'explorer quand même. Hein. Bon, j'ai fait un grand tracé, hein, encore, pour aller à destination. Donc maintenant, je vais poser la foreuse ici. Le capteur. Pourquoi que je l'enlève? Voilà. Donc, bon, là, on est arrivé à nouveau ici. J'ai un petit peu de bazar dans mon inventaire, mais bon, encore ça va, il n'y a pas... Hein, regardez, je prends ma pioche, j'essaie de casser le mur, mes dégâts miniers sont trop faibles. Je prends le maillet, mes dégâts miniers sont trop faibles. Donc à mon avis, ça va être juste d'exploration ici, et rien d'autre. Donc je sais voir s'il n'y avait pas quelque chose au milieu, mais il n'y avait rien. Même au niveau minerai. Hein. Donc est-ce que je vais pouvoir vraiment faire quelque chose dans la prochaine vidéo? On verra ça. Voilà. Voilà, les amis. Donc voilà cette session qui se finit sur Core Keeper. Qu'avez-vous pensé de la perf? Si vous avez apprécié, ce serait cool de lâcher le petit abo, le petit pouce, à partager et commenter. Puis bien sûr, allez faire un petit tour sur mon Twitch. Hein, de toute manière, les liens seront tous dans la description. Hein. C'était donc Wookie88 en votre compagnie qui vous dit à la prochaine. Des bisous à toutes et tous. Bye.